Allez, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 12 de notre incroyable aventure sur Resident Evil 4, c'est pareil, It Ways évidemment. Mettez en 4K, 60 FPS, on n'oublie pas, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ainsi évidemment qu'un like, ça fait encore plus plaisir. Et très bientôt, bienvenue. Des nouveaux let's play, dont un horrifique devrait arriver, ça risque d'être exceptionnel. Alors, déjà on va lui vendre ça. J'étais sûr que je pouvais te faire confiance. Il en reste bon un travail. Et on va la lire parce que vraiment, ça m'intrigue de fou. J'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose et ça c'est assez terrible. Alors, répondre à tes besoins. Attendez, comment on peut améliorer l'arbalète? Ah, la puissance quand même en vrai. Hein. Il y a quelque chose à faire. Notre objectif principal est là-bas. On va quand même aller check. Bougez pas. J'aimerais aller check quand même. Cet endroit qui m'a l'air bien long, si je puis me permettre, est extrêmement... Oh, vous l'avez vu. Oh, petit coquelicot. Un peu de ferraille pour les braves. On peut allumer la lumière ou... Ok. Et là... Ah! Ok, pour l'instant, il n'y a pas de passage là-bas. Bon, écoutez, on va prendre le seul chemin donc possible... d'accès, c'est-à-dire direction notre objectif. Il y a quelque chose qui m'embête quand même. J'aimerais qu'on relise ce document. Ce document quête. J'aimerais vraiment la faire. Parce que 10, c'est beaucoup. Il y en a un dans la salle de dissection. Celui-là, on l'a pris. Et je crois qu'un autre a été volé. Intérieur du bâtiment 1. Comble du bâtiment 1. Je suppose que là-bas, ça reste le bâtiment 1. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on va aller check, évidemment. On va pas se laisser faire. On va pas se laisser avoir. Un œil. Quelque chose va forcément te plaire. Ok. Allez, on est parti. Ah ! Oh, je me suis chié dessus, sa mère. Bon. Au moins, je peux sortir. Ok. Mais sortir de quoi? Sortir de quoi? Sortir d'où? Qu'est-ce que c'est? Ok. Les gars, il y a un scarabée qui se planque quelque part. Et il est derrière. Ça m'embête énormément. Ok. Bon, ça, hop. On prend, évidemment, ça on prend. On va en profiter pour reload le sniper. On va prendre notre temps, hein, je m'en fous. Hein. Moi, je le veux, ce scarabée. Hein. Je le veux. Hein. Parce que le truc, c'est qu'une fois qu'on a pris les télésièges, je sais pas exactement comment ça s'appelle. C'est pas très discret, mais j'ai pas vraiment le... Allez, finalisation du réseau d'antennes. Les travaux sont terminés, l'île dispose enfin d'un réseau d'antennes de haute précision. Grâce à cela, nous allons pouvoir intercepter et surveiller les activités des organisations hostiles, y compris celles des renseignements américains. Rien ne nous échappera. Dans un premier temps, cela nous permettra de rassembler des informations pour le jour de l'enlèvement, quoi garantir notre succès. Nous allons montrer au monde que la sécurité de ce pays n'est pas aussi infaillible que ce qu'ils veulent nous faire croire, Jack Krauser. Choix. En même temps, t'étais un traître, Jack. Ça m'embête, hein. Les amis, faut qu'on retourne dans ce bâtiment 1. Il faut qu'on retourne dans ce bâtiment 1. Il y a quelque chose. Quelqu'un l'a volé, mais je ne comprends pas. Écoutez, on va refaire un tour. Et si c'est la bagarre, bah écoutez, c'est la bagarre. Hein. Parce que là, vraiment, le doute... Ma bite. C'est lui. Oh wow. Oh wow. Yeah.
Aïe! Ok. Ok, c'était lui. Non, c'était pas lui! Qui est donc ce voleur? C'est horrible. Ok. Qui peut donc être ce voleur? Et là, on a quoi? Des pesetas de l'autre côté. C'est normal. C'est normal, c'est le petit insecte qu'on a tué, je l'ai pas ramassé. Fais chier. C'est fermé. Non, me dites pas que je me suis enfermé, c'est pas possible. Putain, mais il est où ce... Excusez-moi de ces insultes, mais... Qu'est-ce que c'est? Ok. Mais c'était pas lui. C'est terrible. Là, les amis, je comprends pas. Les amis, je comprends pas, je suis retourné en arrière, effectivement, ça a bien pop un boss. Bienvenue. Mais c'était pas lui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une affaire bien conclue. Me voilà fort embêté. Fais bonne route. Me voilà fort embêté, comment c'est possible? Et en plus, regardez... Non, là-bas, c'est de là où on vient. On va retourner là-bas. Hein. On va retourner là-bas, les amis. Hein. On va retourner dans la... Dans tous ces soucis qui me tracassent. Oh. 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 Ça, j'avais pas pris. Ok. On va en profiter pour checker un petit peu par... Qu'est-ce que c'est? Oh. En fait, il y a beaucoup de choses. Attends, mais c'est incroyable. Tout ça, j'y avais pas pensé ou quoi? Ne bougez pas. Ne bougez pas. Ok. Parfait. Putain, où est ce putain de scarabée à la con là? Comment ça me casser les couilles toutes ces histoires? Comment ça me casser les couilles toutes ces histoires? Par qui il aurait pu être volé? Normalement tout est clean derrière. Ah, je suis désolé qu'on perde un petit peu de temps là-dessus, mais enfin. Où il peut être? Il a été volé. C'est Krauser, genre qu'il a embarqué? Parce qu'une fois qu'on quitte ici, c'est fini. Hein. Et vu qu'apparemment, c'est à l'intérieur du bâtiment 1... Ça m'embête. Putain, tout ça m'embête. Ah. Ok, c'est bon. Attendez. J'ai entendu une respiration de déglingo là. Y'a rien. C'est quoi ce bruit? Y'a un truc qui pendouille? Y'a un truc encore. Y'a un truc encore, les amis. Ada, hein. Ada, il respire pas comme ça, les frères. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Ada. Ok. Là,
Si, c'est Ada. Putain, ça a l'air d'être Ada, mais là, elle a une respiration de déglingo, hein. Ok. Bon, écoutez, je ne comprends pas. Voilà, je vais être totalement franc avec vous. C'est dans les combles du bâtiment 1. Là, on est dans le bâtiment 1. Je vois pas du tout où ça peut être. J'ai rien loupé. J'ai même fait un dernier adversaire qui avait popé. Là, pour le coup, c'est mystère de fou. Tant pis, on aura essayé. Après, s'il a été volé, pour moi, forcément, je... Oh. Je pense à Krauser. Ok. Je pense genre à Krauser qui aurait volé le... Ça me paraît très logique, un scarabée. Et donc, quand il sera mort, je sais pas, peut-être sur son cadavre. Après, je dis peut-être énormément de merde. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok. Ok, ok. Je me suis fait des suspens de fou pour rien. Ça m'embête. Écoutez, honnêtement, aucune idée d'où peut être le deuxième scarabée. C'est mystère et boule de gomme. On a une vue sur quoi, là? Je comprends pas. Ok. C'est mystère et boule de gomme. Tant pis, tant pis, tant pis. J'ai l'impression d'avoir tout fait. J'ai dû passer à côté de quelque chose. Vous pouvez m'engueuler dans les commentaires. Au moins j'aurais essayé. Comme on dit, on ne part pas. On part pas victorieux. Mais on ne part pas en défaite non plus. Allez, on est parti. C'est terrible. Ah, ça m'embête, hein. C'est vraiment terrible. C'était peut-être un cadavre, je me dis, mais. Il y aurait eu le logo de secret, en fait. Il y aurait eu le logo du secret. Logo du trésor sur la map. Bon, allez, c'est pas grave, on se casse. J'aurais essayé. Oh, 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 oh. J'aurais essayé, mais rien ne sert d'insister. Et qu'est-ce qui aurait pu voler Ah, vous croyez que dans les... Non, mais non, 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 c'était intérieur du bâtiment 1. Allez, tant pis. Oh, j'ai l'impression qu'on va faire une phase qu'on faisait normalement avec Leon. Et c'est la phase où les mecs ils vont arriver d'en face. Oh oui. Oh oui, oh oui. Nickel. Ok. Ok. Voyage. C'est bien ça. Oh wow, 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 c'est pas le même joujou ça les frères. Très bien. Ok, très bien. Je confirme, normalement c'était avec Leon qu'on faisait cette phase. Bah pourquoi pas, écoutez. Pourquoi pas, je pense que les gens s'étaient plaints qu'on la voyait plus et que c'était dommage. Mais en tout cas, ils l'ont remis sous une autre forme. Franchement, c'est pas dingue comme attraction. Ok, ok. Par contre, aucune récompense avec ces conneries. Et là, on est où? Je sais toujours pas, très bien. Hop, ça on prend. Un max de pesetas. Hop. Balle de pistolèche. On prend évidemment. Et ça, on prend aussi. Oh waouh. Lui, il est loin, toujours plus loin. Ça me fait vraiment chaud au cœur de te voir ici, étrangère. Ok.
Bon. Bienvenue. Qu'est-ce que t'as à vendre, petit? Qu'est-ce que t'achètes? Et d'ailleurs, comment t'as fait pour arriver ici aussi vite? J'achète tout et n'importe quoi. Non, qu'est-ce que t'as à vendre, j'ai dit. Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. Réduit la quantité de poudre noire utilisée de moins 1. Augmente de 8% la vitesse de course. Putain, c'est incroyable, ça. Écoutez, il a pas grand chose à vendre. Donc on va se faire plaisir avec ça. C'est un travail qui demande de la finesse, étrangère. De petits ajustements peuvent faire toute la différence. Ok. Est-ce que ce sera tout? Eh ben, ce sera tout, monsieur. Pas pour te faire tuer, hein. Très bien, très très bien. Allez, une petite save et on est reparti. Allez, superbe. Bon, là il y avait du snipers. Oh, what the fuck? Ok, non, c'est bon. Ok. Je reconnais, c'est un champ de bataille. On est bien gardé. Faut que je sois prudente. C'est quoi ça? C'est des vidéoprojecteurs. C'est des projecteurs? Il y en a d'autres là-bas. C'est atroce. Ok. Une tour radio. C'est là que je dois aller. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est parti. Ah oui. Ah oui. Ok. Ok. Oh putain, j'ai été feinté par sa torche à la con là. Oui, bah, toujours plus. Ça me casser les couilles, tout le monde. Bah, j'y crains pas grand-chose. Il commence à me saouler, lui. Voilà. Ça l'a même pas mis en feu. Oh là là. C'est pas vrai. Ok. Regardez-moi toutes ces pièces. Est-ce que j'en fais des... Oh, il y a un trésor. Waouh. Bon, écoutez, on va peut-être pas faire les malins pour aller récupérer quelque chose. Ne nous intéresse finalement pas plus que ça. Oh, j'ai que deux soins. Il y a quoi là? Oh.
Ouh. J'ai cru que ça venait de derrière, c'est pour ça que j'ai eu peur et... Par là, les gars. Bon, ça vient de derrière. Oh, ça vient de partout. On reste pas longtemps sur cette terre. Non, non, c'est trop. Voilà. Un allez, petit ça dégage. Alors là, les amis, ça c'est la meilleure. C'est la meilleure, c'est la meilleure. On n'a plus de soins. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut plus soigner. Oh là là. Ok. Oh. Y a quoi ça? C'est pour retourner en arrière. Ah d'accord. Il y a des trucs à... Il y a des grosses bébêtes invisibles. Et ça apporte un bonus. C'est ça, ok. Ok. Bah écoutez, je suppose qu'il y en a aussi derrière. Est-ce qu'il y a un monde où j'ai loupé j'ai loupé le papier qu'on parlait, je ne sais pas. Frère. Sacré jambe, hein. Sacré appui, frérot. Non, pas. Meurs ou reviens un autre jour. Les amis, j'ai détruit deux de ces merdiers là. Quelque chose me dit qu'il y en a derrière. Yes. La suce aux insectes complétée. Très bien. On a quelque chose aussi. C'est pas si facile là, ce qui est en train de se passer. Je vous le dis. Allez, on y va. Ils sont la suite de notre aventure. Quoi? Je l'ai peut-être fait pour rien. Ok. Cadeau. Okay. Très bien. C'est dur, hein.
Les amis, ce DLC de Ada, si je puis me permettre, n'est pas aussi simple que ça. Ok. Et là, on va pouvoir sauter, super. Waouh. Oh, décidément, on peut jamais être tranquille. Ok. Attends, pourquoi là, y a un truc genre revenir en arrière. Ça sent pas bon, ça, hein. Ça sent pas bon. Balle de pompe, c'est terrible. D'accord. Et là, je vais pouvoir revenir en arrière. Ok, j'ai compris. J'ai compris, les amis. Pas si simple, hein. Et là, va falloir que je reparte. Va falloir que je reparte là-haut. Ok. Et là, on a quoi? Ouh, attendez. S'il y a ça là-dedans. C'était pas pour rien. Ok. Et je peux plus retourner là-haut? Ok. Tu t'es occupé d'une roquette. Oh, et ta roquette, je l'avais même pas vue, c'est ça le pire. Elle était où sa roquette? Elle était pas collée là? Allez, on va faire l'échange. Oh là 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 là. Bien joué. T'as prouvé que 9 spinels. Mais putain, mais on l'a pas vu cette roquette. Qu'est-ce que t'achètes? Je sais pas ce que j'achète, pardon. J'en ai 12, je peux acheter un saphir, je peux acheter ça, mais. Mais à quoi bon? À quoi bon? C'est le poids. Ça, par contre, je peux revendre. Une affaire bien conclue. Couteau. Couteau, je peux réparer, je peux résister. Comme neuf. Et allez, j'adore le pompe. Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, on a fait la moitié du travail. Il n'y aura plus qu'à aller tout droit si tout va bien. Bisous tout le monde. Bye bye. De la qualité, rien...